Bonjour madame. Voilà, il y a eu un cambriolage chez moi. Donc, je ne sais pas ce qui trouve, enfin, ce qui m'est arrivé, j'ai eu un accident, puis j'ai passé la nuit aux urgences. Voilà, donc j'ai besoin de votre aide. Ouais, vous avez constaté une infraction, durant ce cambriolage? Alors, donc, vous avez du mal avec le français, on dit effraction. Effraction. Deux F. Donc, est-ce que vous avez constaté une effraction lors de ce cambriolage? Vous me donnerez le truc pour que je corrige la faute, s'il vous plaît, à la fin. On a un collègue qui fait ça très bien. Dites-moi. Oui. Alors, ben non, justement, c'est hyper bizarre. Il n'y a pas eu d'effraction. Mm-hmm. Mais, donc, en fait, dans mon grenier, j'ai une collection de Johnny. Une collection de quoi? Une collection consacrée à Johnny Hallyday. D'ailleurs, je pense vraiment que c'est la plus grande collection du département. De la région. Johnny qui, madame? Je pense même que c'est la plus grande collection de France, ou même d'Europe. Mm-hmm. Une collection de Johnny. J'avais pensé à ça. Johnny qui? Une collection consacrée à Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Donc, c'est un acteur américain. Faites pas de faute, s'il vous plaît, alors surtout pas sur son nom. Parce que ça, je ne supporterai pas. Une collection consacrée à un acteur américain. Ok. Non, mais je suis une très grande fan de Johnny, donc il faut. Faites attention à l'orthographe. Ouais. Et de toute façon, je ne connais pas. Donc, Et non, ce n'est pas un acteur américain. D'accord. Vous venez de où, vous? Je ne suis pas très chanson américaine. Non, je viens de vous dire que Johnny Hallyday, c'est pas un chanteur américain. Pourquoi vous me parlez de chanson américaine? Non, je vous demandais si c'était un acteur. Il dit non. Je suis en train de vous parler de Johnny Hallyday. C'est le plus grand chanteur de tous les temps. Bah, tout le monde sait ça. Ben, moi, je ne sais pas. Non, ok. Bon, je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin. Entre les urgences, l'accident. La collection qui a disparu. Non, mais donc. Ok. Je pense que vous allez faire venir votre collègue, un homme, un vrai fonctionnaire de police. Un truc avec l'uniforme, quoi, quelque chose qui... Non, parce que là ça va pas, là. Vous êtes stagiaire? Quoi, en vrai, je vous conviens pas, c'est ça que je voulais dire? Vous êtes stagiaire, en fait. Non, je suis pas du tout stagiaire, je ne vous conviens pas, madame? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est bien, vous avez compris que vous me convenez pas. Donc, appelez votre collègue. Bonjour madame, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour monsieur. Dites-moi. Je m'appelle madame Janssen de la... Janssen de la? Oui, non, mais faites pas de faute, hein, surtout. J-A-N-2-S-E-N. Donc... Quel est votre problème, madame Janssen? Alors, on m'a volé tous mes disques. Tous les disques de Johnny. Alors, il y avait... Mais, attendez, les disques de qui? Donc, laissez-moi finir. Quand je pars, j'aime bien qu'on me laisse finir. Donc, il y avait tous mes disques de Johnny, y compris la collection Collector. Ouais. Mais je n'ai juste pas compris. Les disques de qui? Mais c'est plus de 3000 disques. Hein. Plus de 3000 disques de qui? Non. Vous êtes comme votre collègue, vous ne savez pas non plus. Non, je suis désolée, je ne comprends pas. Vous faites une blague là. Non. Vous le faites exprès tous les deux là. Vous vous êtes mis. Vous êtes dit, on va se foutre de la gueule de celle qui arrive là. C'est ça, vous vous emmerdez en fait. Pas du tout. Vous vous emmerdez et donc vous vous êtes dit, tiens, on va se taper la tête. Pas du on va tout. Se payer la tête de la dame qui arrive. Et moi je suis pas là pour plaisanter, hein, monsieur. C'est très grave. Hein. Vous savez pour combien il y en a de millions d'euros dans cette collection? Calmez-vous. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous me dites de me calmer, et vous êtes à côté de la plaque. Donc, c'est quoi? Je fais. De toute façon, j'aurais pas dû venir dans le 19e, je savais.
je vais aller dans le 16e parce que là, ils vont me comprendre. Mais vous, vous êtes vraiment à la masse, hein. Franchement, je ferai un petit rapport à votre chef. Déjà, sur l'orthographe de votre collègue, excusez-moi, mais quand vous embauchez des stagiaires, faites attention à l'orthographe. Mais là, ça ne va pas du tout. Allez, au revoir, madame Monsen. Ouais, au revoir.